une vie, une œuvre. Bonjour à toutes et à tous. Jean Baudrillard, 1929-2007. Aujourd'hui, Une vie, une œuvre vous entraîne sur la trace de Jean Baudrillard, ni tout à fait sociologue, ni tout à fait philosophe, mais à la pensée étrange et pénétrante, séduisante, dévastatrice et ironique. Un homme sans maître, aux intuitions étincelantes, comme le fuselage d'une Cadillac Eldorado, comme une balle traçante dans la nuit verte de Bagdad, comme la fente chromée d'une machine à sous ou une veste à paillettes sous une boule à facettes flottant dans l'hyper-réalité d'un casino de Las Vegas. Jean Baudrillard, l'auteur de La société de consommation, de Simulacre et simulation, des Cool Memories ou encore de L'esprit du terrorisme, est né à Reims et a enseigné à l'université de Nanterre. Mais c'est l'Amérique qui l'a fait roi avant de vouloir sa peau. Jean Baudrillard, ni morale, ni critique, une pensée radicale, un documentaire de Delphine Jaffet, Olivier Jacquemont et Ghislaine David. Baudrillard, c'était un produit d'époque, un produit des Trente Glorieuses. Une sorte de fête théorique qu'on s'offrait dans le cadre d'une société qui était en plein essor économique, où l'enjeu était d'aller plus loin ou de ne pas être dupe de ce qui s'offrait à nous pour préserver notre liberté, notre lucidité. Jean ne se veut pas détenteur d'une pensée définitive, à visée édificatrice. Non, c'était plutôt un moine zen qui pouvait vous proposer une explication et puis à la fin vous dire, à moins que ce soit le contraire, et partir en mettant sa chaussure sur sa tête. C'était plutôt ça, Jean. Baudrillard est quelqu'un qui nous rappelle à des évidences absolues. Il ne risquait pas de se tromper à terme. Mais en attendant, il se faisait plaisir et il nous procurait quelques vifs plaisirs. Jean Baudrillard, ni morale, ni critique, une pensée radicale. Par Delphine Jaffet et Olivier Jacquemont. Contrairement à tout, la vulgate des choses que l'intellectuel est là pour être une conscience morale, pour être un analyste de la situation, faire entrevoir les solutions, les perspectives, etc. Moi, je le conçois plutôt à l'inverse, puisque le monde nous est donné d'une certaine façon inintelligible, il faut le rendre encore plus inintelligible. On est en 70. Marine Baudrillard. Et c'était un boxon à Nanterre, avec un Jean complètement détendu, qui n'était pas dans sa position de professeur, qui n'était pas sur l'estrade, qu'on tutoyait. Ça m'a coupé le souffle. C'était un paysan avec une sophistication mentale incroyable. Et les deux trucs, waouh! Parmi les cours qu'on donnait, il y en a un de 2 heures qu'on faisait ensemble. Jacques Donzelot. Pour se faciliter la vie et puis pour peut-être faire un petit quelque chose d'un peu détonnant. On avait un public qui tenait en bonne partie à sa notoriété. Quand je veux décrire les années 70, je décris cette scène où on arrivait, soit il passait me chercher en voiture, soit j'allais en moto. On arrivait, on commençait par, une fois tout le monde réuni, à se rouler une cigarette. C'était lui se faisait ça avec une petite, vous savez, ces machines à rouler. Moi, je les roulais à la main. J'étais un peu plus prolétaire que lui. Moi, j'étais lui, c'était un fils de gendarme. Moi, un fils de balayeur. Enfin, les deux étaient fonctionnaires quand même, comme parents. Donc, mais on avait ça qui nous unissait un petit peu, un certain ricanement vers les importants d'origine. Bon, après ce petit rituel, on évoquait les choses de la semaine, ce qui s'était passé dans le monde, tout simplement, ou les films qu'on avait vus qui nous avaient marqués, ou du moment qu'on avait quelque chose à en dire. Et puis après, c'est la seule chose qui était convenue entre nous, c'était moi qui commençais le cours sur un sujet qui était généralement le livre que j'étais en train d'écrire, et lui qui après enchaînait. Alors, il y avait un étrange principe de non-contradiction qui faisait qu'il disait qu'il était d'accord avec ce que je venais de dire, mais qu'on pouvait aller plus loin tout en disant le contraire. Et les étudiants étaient un peu paumés là-dedans, mais en même temps, ça leur donnait
pas tant que ça, c'est leur donner une liberté pour poser des questions par rapport à des propos qui mêlaient des discours qui étaient... Moi, je faisais des choses plutôt de type foucauldien, généalogique, quelque peu érudite. Et lui, il introduisait une critique allons plus loin, c'est-à-dire jusqu'à ce que ça n'ait plus de sens. Bon. Mais en même temps, en faisant apparaître du sens, mais un autre sens. Mais vous ne souffrez pas d'être un peu rejeté de la communauté universitaire, sociologique ? Bon, on vous prend oui, pas ça... au sérieux parfois, parce qu'on dit que vous êtes un autodidacte, que vous avez appris sur le terrain votre métier, que vous avez même enseigné à la sociologie en apprenant, avant de faire vos cours, en apprenant le contenu. Qui dit ça ? Vous avez entendu dire ça. Oui. Non, c'est vrai qu'à un moment donné à Nanterre, moi j'y suis arrivé juste en 66, enfin avant 68, je ne venais pas de la sociologie, j'étais germaniste au début. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça s'est fait en accéléré. C'est-à-dire que c'est vrai que j'avais une semaine ou deux d'avance sur les étudiants, mais c'était une très bonne situation. Et puis bon, après 68 est venu, là, les choses se sont quand même à la fois démultipliées, accélérées. Bon, les choses ont changé. Enfin, c'est vrai que je ne suis pas sociologue de formation, que je n'ai pas étudié sur le terrain sociologique. Hein. Mais je n'ai pas non plus tiré mes choses de l'histoire des idées. C'est-à-dire que je ne suis pas non plus philosophe dans ce sens-là. C'était plutôt les situations actuelles, dans leur actualité qui m'intéressaient. Bon, la sociologie elle-même s'est trouvée quand même mise sérieusement à l'épreuve en 68, surtout à Nanterre, là où j'étais. Et bon, il fallait en tirer les conclusions. Il y a un peu un défi là-dedans. Alors, un défi, on n'en souffre pas. Je veux dire, c'est pas une situation passive. C'est un défi, c'est un pari, effectivement, d'avoir pris les choses de cette façon-là. C'est pas toujours drôle, oui. On se retrouve parfois un petit peu seul. On se retrouve surtout dans un... Des malentendus, c'est vrai, quoi. L'idée que tout ça, c'est un peu de la provocation, qu'on ne sait pas quoi en faire. Enfin, c'est toujours la question de confiance qui est posée. Qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça ? Hein ? Ils racontent n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on en fait ? C'est pas de la provocation, exactement. C'est en effet plutôt paradoxe et défi. Mais enfin, ça fait partie quand même de l'énergie intellectuelle, non ? Il m'a raconté sa soutenance de thèse avec un jury dans lequel il y avait Lefebvre, mais aussi Bourdieu, qui incarnait donc l'Académie. Et c'est quelque chose qui l'avait marqué, parce que Bourdieu avait dit « Oui, cette thèse, c'est un peu à la sociologie ce que la golden est à la pomme. » Ma manière, vous comprenez, de dire que ça a l'apparence, ça pourrait avoir l'apparence de la sociologie, que c'est brillant, mais que ça n'est pas vraiment de la sociologie. C'est un produit factice qui ne répond pas au canon du genre. Hein. Donc, exit. Et tout s'ensuit. François Livonnet. Il appartient de ce point de vue-là à une tradition très française, hein, qui est celle des moralistes, celle de ces essayistes. Comment classer quelqu'un comme Peggy, par exemple ? C'est très difficile. Comment classer les moralistes du XVIIIe ? C'est difficile. L'idée des philosophes institutionnels, des philosophes qui ont des chairs, hein, c'est quelque chose de relativement récent. Et a fortiori des philosophes qui produisent des systèmes. Car un philosophe qui a une chair, c'est aussi un philosophe qui va produire du système. Or, Baudrillard ne produit pas du système. De ce point de vue-là, ce n'est pas à l'école allemande. C'est paradoxal, parce que c'est un germaniste. Mais ce n'est pas à l'école allemande qu'il s'est placé. C'est plutôt dans une tradition, une lignée française, qui développe une œuvre, une pensée très rigoureuse, très cohérente, mais qui n'est ni systématique, ni institutionnellement compressée. Donc il est singulier à tous égards par la forme de pensée qu'il développe, par le style de pensée qu'il développe, et parce qu'il est en dehors, au fond, d'un système universitaire. Il a vu un lourd passé marxiste, puisqu'il avait été dans une association franco-chinoise maoïste dure au début des années 60 ou quelque chose comme ça, mais il s'en était très, très vite éloigné. Il faisait partie... Pour l'époque, hein, il passait pour faire partie de ce courant critique du marxisme, critique de la société, critique ouvert, très différent du courant althusserien qui était le marxisme érigé en dogme de la rue d'Ulm. L'échange symbolique et la mort est peut-être le livre où il se sépare le plus explicitement du marxisme.
la critique des rapports de production. Quand on a fait une analyse de la consommation en montrant que c'est bien plus que c'est une illusion bien plus importante que la dure réalité des rapports de production, ben, on se sépare du marxisme déjà. Bon. La critique de l'économie politique du signe aussi était un livre qui avait une fonction de dégagement par rapport au marxisme et à la pesanteur quand même des dogmes résiduels du marxisme. Parce que quand même, ce début des années 70, il y avait une ambiance marxiste et toute la question était comment on s'en distingue. Et puis il y a un peu de terrorisme aussi. Oui. C'est une théorie terroriste, oui, c'est vrai. Ça cherche quand même à pousser les choses, enfin à pousser la logique des choses jusqu'à une certaine limite et d'essayer d'aller voir ce qui se passe au-delà, justement. Mon lieu stratégique, ça serait plutôt le point de non-retour, en effet, au-delà duquel je ne sais pas ce qui se passe, au-delà de l'histoire, au-delà des divisions politiques, au-delà des méthodes sociologiques, au-delà de tout ça, qu'est-ce qui peut bien se passer. En un sens-là, c'est un peu de la fiction et une sorte de terrorisme aussi, oui. Vous parlez, Jacques Donzelot, de l'ironie radicale de Baudrillard qui a quelque chose de libérateur. Alors qu'est-ce que c'est exactement pour vous l'ironie radicale de Jean Baudrillard ? L'ironie radicale de Baudrillard, c'est non pas la posture universitaire, non pas ce retrait, ça, mais une manière de chambouler complètement cette distance calculée entre l'université et la société réelle. Une ironie qui était totalement dévastatrice. Il n'y avait plus d'alternative. Les alternatives avaient disparu. La seule lucidité était celle, d'une certaine manière, du caractère définitivement illusoire de ce monde, du fait que, autrefois, il avait été, maintenant, il allait à sa perte. C'est en ce sens-là qu'il y avait une rupture avec le marxisme. Et que d'une certaine manière, la seule posture était poétique. La seule attitude vis-à-vis de ça était de ne pas être dupe, mais pour ne pas être dupe, il ne fallait pas camper dans un bel habit, il fallait écrire des textes poétiques tout à fait surprenants, des textes qui décontenancent et qui donc renvoient à... qui soient à la limite de la crédibilité. Bon... L'an 2000 ne passera pas, hein. Bon, ouais, on sait. Ou bien prendre des photos un peu surprenantes. J'en ai pas mal chez moi. Ce que Baudrillard a perçu le premier, c'est la nécessité de capter ce qui n'était pas là. Robert Maggiori. Dans sa matérialité, dans sa structure, dans sa solidité, dans sa forme pyramidale. Comme on avait jadis l'habitude de considérer les choses, le pouvoir est pyramidal, un objet est là sur la table, on distinguait une image de télévision de l'objet qui était représenté. Et à un certain moment, ce qu'aperçut Baudrillard, c'est que tout ça allait se mélanger et qu'on n'allait plus avoir affaire effectivement à la réalité telle qu'on la concevait, mais à une sorte de liquidité ou d'extra-normalité, ou de mélange de fiction et de récit. Le grand apport de Baudrillard, c'est ça, justement. Baudrillard n'a pas véritablement de maître. D'abord, il a reçu une formation solide dans un très bon lycée, le lycée de Reims. Il a fait un petit tour à Henri IV. Formation solide, c'est un très bon élève. Il maîtrisait le latin, il connaissait les classiques, etc. Mais d'un autre côté, c'est quelqu'un qui s'est formé tout seul. La culture de Baudrillard, c'est une culture qu'il va découvrir par lui-même. C'est pas une culture du moule. Bon. Donc déjà, le maître au sens étroit du terme, il a eu de bons professeurs, de bons instituteurs. On pourrait passer en revue qui serait maître, son prof de philo en terminale, pataphysicien, n'était évidemment pas un maître. On peut pas être à la fois le restaurateur du collège de pataphysique et se poser comme un maître. Rimbaud n'est pas un maître, Nietzsche n'est pas un maître, Bataille n'est pas un maître, Barthes n'est pas un maître, etc. Donc, non, pas de maître. C'est juste parce qu'il n'a pas eu de maître, d'ailleurs, qu'il n'apparaît jamais comme un maître. Il y a des lecteurs, un public, qui a accepté un Baudrillard à peu près classique, même s'il disait des choses un peu folles. Edgar Morin dit « Le système des objets, c'est un livre pour moi qui était totalement fou. » Je me suis demandé « Où c'est l'œuvre d'un génie ou c'est l'œuvre d'un démon ?» Mais alors, plus on va vers les œuvres d'après, l'échange symbolique et la mort, plus il sera rejeté par ceux qui n'entendent de
philosophique qu'une philosophie qui se présente sous la forme d'un système avec des notes de bas de page, avec une bibliographie bien solide, enfin l'essai classique. Mais à un moment donné, quand il a dit « oublier Foucault », c'est aussi pour essayer d'analyser autrement nos sociétés, et de dire que la façon dont Foucault analysait nos sociétés a une pertinence, mais presque une pertinence historique. Il a voulu prolonger l'analyse de Foucault pour aller au-delà. En même temps qu'il analysera la configuration particulière de ce monde dans lequel nous vivons, le monde de la virtualité, de la réalité intégrale, il se posera la question de savoir comment s'opposer. Peut-on encore s'opposer ? Résister à un sens ? Donc de ce point de vue-là, quand il dit oublier Foucault, c'est oublier aussi la réponse, au fond, trop classique hein, et peut-être parfaitement inadaptée à la non-réalité ou à l'hyper-réalité dans laquelle nous vivons. Son livre le plus lu, c'est « La société de consommation », qui est un livre de commande. Je dirais que pour lui, c'était une punition de voir que son livre le plus lu était ça. Et de l'autre, l'importance qu'il a accordée au simulacre, ce qui apparaît réel et qui ne l'est pas. Ces Cool Memories qui sont, pour moi, son plus beau au travail final. Et c'est ce que j'ai le plus de plaisir à lire de lui quand je m'y abandonne. Parce qu'il y a là un bonheur de raconter des histoires significatives. Il y a chez lui aussi un art de décrire, bon, un livre comme l'Amérique, c'est extraordinaire, les Américains en sont fada. Un livre comme Amérique, c'est cette description dans les années 80 des premiers joggers illuminés, fous, courants, c'était les premiers. Hein. Et c'est cet art de saisir les premières inscriptions, qui allait annoncer tous les gribouillis sur nos murs, de saisir le sens de tout cela, de le donner à voir. C'est, au fond, partant de la sociologie, nous restituer le monde, au lieu de nous enfermer dans les lois de la société, nous remettre au monde avec un regard dubitatif, ironique, séducteur, séduisant. Rendre le monde séduisant par son étrangeté. C'est ça qu'il a fait le plus. Robert Maggiori, vous diriez que la théorie pour Baudrillard devait tendre des pièges à la réalité. Comment faire pour tisser la théorie de façon à ce qu'elle devienne une toile capable de capter quelque chose des faits ? Fait dont la spécificité est d'être liquide, vaporeux, et donc c'est encore plus compliqué naturellement de les saisir. Mais voyez, aujourd'hui, un Zygmunt Bauman, sociologue lui aussi, a théorisé avec un terme extrêmement beau notre société en disant que nous étions dans une société liquide. C'est pas très loin de l'idée qu'avait déjà énoncé Baudrillard. C'est-à-dire que les événements ne sont plus effectivement des faits avec leur carte d'identité, mais se présentent sous forme de masque, sous forme de fausseté, sous forme de piège, sous forme de trucage, sous forme de messages, sous forme de tweets, ce que vous voudrez, enfin tous les trucs qui vont venir après et qui rendent difficile la captation. Mais Baudrillard n'a jamais tenté de capter ce qui était, selon une expression de Jean Kelevitch, presque rien ou un je ne sais quoi. Il voyait dans l'emballement qui est le nôtre aujourd'hui une course à l'abîme. Mais il voyait surtout un crime contre l'humanité, une espèce de solution finale, comme le virtuel accomplissant le monde dans sa réalité intégrale, définitive, et en même temps en signant la dissolution. Un crime contre le monde réel, donc, mais pire, un crime perpétré contre l'illusion du monde, c'est-à-dire toute cette incertitude radicale, sa dualité, son antagonisme, toutes les figures du destin. Les concepts chez Baudrillard sont souvent allégoriques. Quand il parle du destin, par exemple, qui est un concept clé chez Baudrillard, eh bien, il l'aperçoit toujours d'une manière très imagée. Non pas
en illustrant le concept par une image, mais la formation du concept est inséparable de l'allégorie qu'il fait naître. Quand il envisage toujours le destin en ayant recours à la physique quantique, par exemple, en utilisant particules, antiparticules, vous savez, le chat de Schrödinger, mais en même temps, ce qui est séparé est en même temps, d'une certaine manière, lié. Ensuite, il utilise l'image d'Édipe. Donc Édipe, à la fois, il naît et il meurt sous le même signe, c'est-à-dire d'une certaine façon, ce qui nous fait vivre et ce qui nous fait mourir est un peu la même chose. Irréversibilité, on va en au-devant de son destin. Réversibilité, la mort est déjà annoncée, je dirais, dans la naissance. Ce qu'il dit sur la mort de Diana, hein, non pas essayer de chercher des causes, pourquoi pas l'alcoolisme du chauffeur, mais comment le plus grand faste a toujours sa réplique, c'est-à-dire au fond le malheur, hein, le bonheur et le malheur. On ne peut pas séparer le concept chez Baudrillard de toutes les figurations qui permettent son installation. On est tous capables d'avoir des idées, on a des idées tous les matins. Une pensée, c'est une autre affaire. Avoir une pensée, quand on a une pensée, on s'y tient. Et d'une certaine façon, l'œuvre de Baudrillard, c'est l'approfondissement d'une pensée, avec des intuitions matinales, étonnement devant le monde, devant le surgissement du monde. Mais pas simplement pour nourrir une poésie illustrative. Cela est aussi un questionnement. Moi, je vois en lui un héritier de la pensée grecque, de ce point de vue-là. À partir des années 70, Baudrillard effectue plusieurs voyages aux États-Unis, donnant des conférences, d'Aspen à Los Angeles en passant par la Jolla. Ses intuitions influencent quasiment tous les domaines de la vie culturelle américaine, du roman cyberpunk au milieu de l'art en passant par les réalisateurs hollywoodiens. François Cusset. La réception initiale, et d'ailleurs majoritaire, du travail de Baudrillard aux États-Unis se fait pas dans l'université, au contraire de ses petits camarades et joyeux ennemis de la même génération que sont Derrida, Foucault, Deleuze, etc. Mais initialement dans le monde de l'art, ce qui a joué un rôle sans doute dans ce biais artistique, en quelque sorte, de la réception de Baudrillard, c'est son premier éditeur américain, qui est d'ailleurs aussi un ami proche, qui est Silver Lautringer, avec sa maison d'édition et sa revue Sémiotexte, revue basée à Columbia University, mais contre-culturelle, un peu provocatrice, un peu dingue, tentant de faire le lien entre la théorie venue de France, le communisme, les drogues, la pédophilie, la musique radicale, ou les rêves de Guattari, une sorte d'objet contre-culturel qui circule dans des milieux qui peuvent être les milieux de la nuit, les milieux de l'art, les milieux d'un New York en pleine effervescence et en pleine crise d'ailleurs dans les débuts des années 80. Et donc Silver Lautringer est à l'origine des premières visites, des premières traductions de Baudrillard aux États-Unis et en quelque sorte, lui se réjouissait dès le départ de tous ces malentendus. C'est-à-dire qu'on a systématiquement pris à la lettre, pris au sérieux des propositions qui étaient des propositions soit insolentes, provocatrices, soit carrément expérimentales, hypothétiques, soit très ironiques chez Baudrillard, et qui, aux États-Unis, ont fait l'objet d'une appropriation par les milieux de l'art, un peu de l'université aussi, comme des espèces d'écoles de pensée avec des ismes autour. Le meilleur exemple, évidemment, c'est la théorie de la simulation et du simulacre, qui est l'objet non seulement du livre qui porte le même titre, Simulacre et simulation, mais de toute une série d'essais de cette époque-là, années 80-90, donc déjà avancés dans l'œuvre de Baudrillard, notamment le crime parfait, l'idée que le réel aurait été entièrement assassiné, détruit, tué, et qu'il ne nous reste plus que le simulacre, l'apparence, la copie, il n'y a plus l'original. Ces idées-là qui sont, chez Baudrillard, à la fois des moteurs ou des hypothèses pour faire avancer la pensée, mais des hypothèses qu'il sait saugrenue et qu'il travaille comme telle, et une forme d'écriture. Pour moi, c'est d'abord un styliste, Baudrillard, c'est quelqu'un qui cisèle comme ça des propositions les plus étranges, aussi en termes de style et d'écriture. Mais tout ça a été pris ni pour une provocation, ni pour du style, mais pour la base possible d'une pensée à venir qui viendrait contrecarrer la métaphysique d'un côté, les pensées pragmatiques et empiristes américaines de l'autre, et servirait la cause des artistes, puisqu'effectivement les artistes post-waroliens, enfin ceux
qui sont au plus proche de la marchandise, du capitalisme, soit pour le moquer, le critiquer, soit pour s'en mettre plein les poches, puisque c'est l'explosion du marché de l'art, eh bien, en quelque sorte, ils ont pris au sérieux cette affaire de la simulation comme leur problème, comme le fait que eux imitent, eux simulent, eux participent à cette disparition de l'original, puisqu'ils ne cessent de dupliquer, de copier, il y a une surenchère comme ça à l'artifice, à l'absence d'origine. Donc cette question qui est pour eux cruciale va faire de Baudrillard un peu un gourou du monde de l'art au départ. Oui, alors la simulation serait une phase de désintensification, hein, où les choses n'ont plus de substance de référence, n'ont plus la distance du sens et tout, et où elles s'équivalent toutes dans une sorte d'indifférence des signes, hein, de jeu indifférent des signes. Ça, c'est la simulation. C'est une des possibilités, c'est-à-dire c'est une des réalités, enfin, réelles si on peut dire, pour la simulation, bien entendu, mais une sorte d'entropie générale, enfin la métaphore, là, elle vaut ce qu'elle vaut aussi, mais c'est en fait quand même une forme de transparence des choses. Hein, la simulation, c'est la transparence. Le fameux malentendu de 1987, où il est invité par le Whitney Museum de New York à donner une conférence très général sur l'art contemporain. Il dit tout le mal qu'il pense de l'art contemporain, que ça ne l'intéresse pas justement, que pour lui rien ne s'est fait depuis Warhol, donc depuis déjà 25 ans, ce en quoi il laisse en quelque sorte orphelin de leur gourou, les artistes et les critiques d'art assemblés là pour venir le célébrer. Ce qui est une façon typiquement baudrillardienne de refuser de faire école, de refuser tout mouvement positif envers lui, et puis de systématiquement botter en touche, aller là où on ne l'attend pas, se faire détester. Enfin, c'est l'homme qui a écrit « Oublier Foucault » en pleine phase foucaldienne, « La gauche divine » après l'élection de Mitterrand, où la guerre du Golfe n'a pas eu lieu quand elle a clairement eu lieu. Là, on a l'impression que c'est quasiment une sorte de fuite, une ligne de fuite, une porte de sortie qu'il cherche en reniant en quelque sorte la paternité qu'on lui attribue du courant simulationniste et de l'art contemporain. La musique. La musique qui prête à mourir était plus douce de jour en jour. Autre événement où on le voit apparaître, François Cuisset, comme une sorte de gourou. C'est un événement organisé par donc, Silver Lautringer et son collectif Sémiotexte. Dans les années 70, il a fait des rencontres énormes auxquelles se sont joints des groupes de rock, des féministes radicales, enfin, qui ont vraiment foutu le feu à la scène new-yorkaise. Là, c'était une façon peut-être de rendre hommage à cette époque-là, de le faire à contre-temps. Il savait que l'époque n'y était plus, mais il voulait quand même faire quelque chose. Et surtout, il s'intéressait à cette question du hasard qui lui semblait rassembler des gens très différents depuis la finance mondiale et la bourse qui est en plein essor hein, dans les années 90. Évidemment le jeu, d'où le choix de Las Vegas, enfin d'un casino à quelques kilomètres de Las Vegas, Whiskey Pete's, Prime dans le Nevada, mais aussi les théories plus philosophiques ou métaphysiques du hasard et de la part de hasard dans la construction ontologique ou de la nature. Donc il s'est dit, ce thème-là est tellement baudrillardien qu'on va organiser là-dessus une rencontre tout à fait avec plein d'intervenants et dont il sera un peu le point d'orgue. Et la chose était vraiment assez contre-culturelle finalement, c'est comme une rencontre contre-culturelle 20 ans après la contre-culture. On a passé 2 ou 3 jours donc, au premier étage de ce casino avec alors une coupure tellement emblématique entre le rez-de-chaussée et le premier étage du casino. C'est-à-dire qu'au rez-de-chaussée, on avait les joueurs, donc ce monde du jeu si prolétaire, si pauvre, si trash aux États-Unis, hein, de joueurs solitaires, mal habillés, obsessionnels, enfin dans cet endroit assez pathétique, quoi. Et au premier étage, on avait la crème de la crème des artistes et des théoriciens branchés de New York et de Los Angeles qui convergeaient là, habillés en noir comme il se doit, pour écouter, pas seulement Baudrillard, mais un chef indien, un spécialiste du I Ching chinois, un danseur de buto japonais, un banquier d'investissement et quelques philosophes ou écrivains. Tout ce monde-là un peu sous psychotrope, dans ce truc typique des casinos qui est qu'on ne sait pas l'heure du jour ou de la nuit qu'il est et où on est vraiment. Et donc avec pour point d'orgue, à la place d'une conférence, la demande qu'a fait à Baudrillard Silver Lautringer de monter sur scène un soir, de revêtir cette veste à paillettes qu'il lui a donnée et de venir en fait
simplement déclamer assez lentement certains de ses textes, donc ceux qui sont parus aux États-Unis sous le titre Motel Suicide, pendant que des espèces d'égéries, enfin des choristes, reprenaient en chantant les mêmes mots, avec une musique de fond un peu planante, un clip, si vous voulez, baudrillardien en direct, sur lequel les gens dansaient, erraient, applaudissaient, plus quelques universitaires, les seuls au courant de qui était Baudrillard, stupéfait par la tournure des événements, qui c'était exactement ce que la réception de Baudrillard pouvait occasionner, c'est-à-dire un moment où on ne sait pas si on est là pour danser, pour réfléchir, pour prendre de la drogue, ou si c'est simplement la rencontre et la convergence de personnes très différentes qui vaut le détour. Un jour, je me suis surpris. À rire. Et je ne voulais plus mourir. Ne me suicide plus. Notion, concept de forme chez Baudrillard est extrêmement flottant. François Livonnet. Pour essayer d'éclairer cette notion de forme, on pourrait s'arrêter à la notion de fragment. Le fragment, pour reprendre une image, qui est une image de Léonard de Vinci, hein, quand Léonard de Vinci parle de la sculpture, il dit que le sculpteur, il retire de la matière, hein, alors que le peintre ajoute de la matière, il retire de la matière jusqu'à un moment donné où il y a une forme pure, une forme qui se suffit à elle-même et qui, d'une certaine façon, commence à exister indépendamment de celui qui l'a créée. Donc je crois que la forme, c'est déjà à entendre au sens de cette unité, de ce qui existe par soi-même dans sa perfection, qui n'a besoin de rien d'autre que de soi pour être. Pour prendre une image baudrillardienne, c'est exactement le contraire que de percevoir les choses à travers une dynamique du changement. Si vous vous placez du point de vue d'un processus évolutionniste, les choses ne sont pas parfaites. Elles sont imparfaites parce qu'elles n'ont pas accompli le processus qui les fait tendre vers leur finalité où elles se réaliseront. La forme, c'est tout à fait le contraire de cela. La forme, c'est le prendre la chose dans sa perfection. Autre chose importante, à mon avis, c'est que ce qui caractérise la forme, c'est qu'elle fait, d'une certaine manière, silence autour d'elle. Baudrillard, parfois, parle du blanc autour de la forme. Non pas imaginer des choses qui fonctionnent en réseau, qui fonctionnent en système, mais quelque chose qui peut s'agglutiner ou qui peut, par des formes autres d'association, produire quelque chose de nouveau. Quand il dit, par exemple, que l'écriture poétique est une écriture qui relève de la forme parce qu'elle est, au fond, essentiellement anagrammatique. C'est-à-dire que par des permutations, on produit finalement des choses nouvelles, non pas habitées par l'exigence du sens, mais comme si les formes elles-mêmes, c'est la pensée de la métamorphose, comme si les formes elles-mêmes finissaient par, dans leur déploiement, par produire des univers, par produire des univers toujours réversibles. Robert Maggiori, comment est-ce que Jean Baudrillard a-t-il perçu ces attaques qui ont parfois été très très violentes à son égard ? Baudrillard n'a pas eu toujours la vie facile. Hein. Quand il habitait dans le 13e, dans une tour, et qu'il souffrait la faim, c'était pas très simple. Il a eu du mal à publier ses premiers textes. Il a eu du mal à se faire une place comme sociologue. Et d'ailleurs, il détestait qu'on parle de sa sociologie. Ça le faisait rire. Mais j'ai pas de sociologie, je n'ai fait qu'écrire des livres. Et lorsqu'il a commencé à voir sa propre pensée, qu'il a développée dans ses livres, mais aussi dans ses photos, parce que c'était quand même un grand photographe, un grand captateur d'événements étranges par l'œil, disons, plutôt que photographe. Il a inventé un langage. Il a inventé un style supraconducteur, stratégie fatale, surfusion, virus, prolifération, contagion, terminaux interactifs,
attracteurs étranges. Vous voyez comme ils sont modernes, ces termes. Eh bien, il faut considérer qu'il y a déjà 20-25 ans que Baudrillard les a façonnés, et que c'est à ce moment-là, effectivement, qu'il a séduit, mais en même temps repoussé, les gens qui étaient encore en train d'attendre des pensées bien formatées, des pensées avec petit A, petit B, petit C, et ils considéraient que c'était là quelque chose d'indigne de la sociologie que de s'intéresser à ces attracteurs étranges, à ces phénomènes étranges, alors qu'ils percevaient vraiment la modernité. Dans la photo, plus qu'un sujet photographique, enfin le modèle que j'ai fait, c'est plutôt l'objet qui joue, c'est plutôt la règle du jeu de l'objet qui se laisse surprendre mais qui se fait délibérément surprendre, c'est-à-dire qui mène son jeu à travers la technique photographique, à travers l'objectif quand même justement. C'est-à-dire le sujet, même si m'arrive de dire « je » et tout, ça n'a rien d'intime, hein, le sujet est très largement effacé, absent. Et le rêve, c'est plutôt que l'objet s'y fantasme lui-même, enfin s'y décrive lui-même. L'objet, ça peut être une idée, hein, bien sûr, c'est pas un objet réel, ça peut être n'importe quoi, mais il apparaît sous forme d'objet, c'est-à-dire décanté de l'interprétation, de la psychologie, de tout ça. C'est une espèce de vue objectale quand même, assez épurée comme ça. L'image photographique, hein, dans la mesure où elle fixe à un moment donné, et elle rend magique, au fond, un fragment de temps. C'est peut-être son rapport au réel. Parce que la photo lui plaisait, parce qu'elle saisissait quelque chose qui n'existait pas avant et qui n'existerait plus après. Et là, il avait ce bonheur de saisir un moment de réel. Et il est un très bon photographe, en ce sens. De saisir un moment qui n'existerait plus. Et voilà, c'est comme ça. C'était ça son rapport au réel. C'était une incrédulité. Pour une part, le réel a existé, mais juste, c'est fugace. Ça ne fait que passer. Bon. Et la hantise de la mort est vue comme principe de réalité et s'y retrouvait. Ça, c'est une photo, c'est ce qui n'existe plus. Oh ben le problème pour moi c'est plutôt, enfin n'est pas tellement celui de la photographie, moi je ne suis pas ni un professionnel, ni un expert en la matière, c'est plutôt celui de l'image effectivement, enfin presque d'un problème anthropologique de l'image, et de voir si derrière l'image technique, enfin ou toute forme d'image, on peut retrouver une sorte de scène primitive, enfin l'événement crucial de l'apparition d'une image. Enfin, et bon, pour nous, bien sûr, les choses sont compliquées puisqu'elles sont maintenant esthétisées, elles sont technicisées et tout. Enfin, toutes les images ont quelque part une espèce de contexte bon, très, très sophistiqué. Ce serait plutôt effectivement de retrouver derrière l'image, alors, oui, l'apparence pure au sens d'un événement du monde, enfin d'un événement de l'objet, quoi, où la technique entrerait en jeu quand même, mais où en jouant le jeu de la technique, on pourrait peut-être évacuer toutes les significations parasites, enfin, qui ont fait de l'image aujourd'hui quand même une espèce de focale, si on veut, de toutes sortes, enfin, qui me semble pour moi, toutes sortes de, bon, le sens, quoi, c'est-à-dire presque une violence faite à l'image. Le premier chapitre de La guerre du Golfe n'a pas eu lieu, publié dans Libération en janvier 91. Ce qui se passait avec les nouvelles guerres, c'était des guerres télégéniques. On se souvient tous de ce ciel de Bagdad, on voyait rien que des lumières sur un fond vert, des lumières jaunes qui allaient de gauche à droite. C'était ça la guerre. Donc ça permettait de se poser la question, mais c'est quoi en réalité la guerre? Et je crois qu'il avait déjà perçu un phénomène qui est aujourd'hui très courant, et on le voit chez les jeunes, je veux dire, ils peuvent faire, enfin chez les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs, une chose n'existe que si elle est photographiée. Je veux dire que la joie d'un banquet ou la joie d'une danse ne suffit pas, c'est pas assez réel. Ce qui va être réel, c'est de la photographier.
C'est-à-dire, ce qu'on a sur son portable est plus réel, effectivement, que la chose elle-même. Et du coup, c'est cette façon qu'a eu la fiction de mordre la réalité qui a effectivement saisi Baudrillard, véritablement. Et la guerre en était un exemple parfait, puisqu'on parlait de la guerre, donc on imagine des morts, du sang, des blessures, des maisons qui se détruisent, ce qui a lieu en réalité. Mais on le percevait que par des luminescences sur des écrans qui faisaient penser aux premiers jeux vidéo où il y avait les boules de ping-pong qui allaient de droite à gauche, qui était assez curieux, quoi. Dès le début, on savait que cette guerre n'existerait pas. Après la guerre chaude, la violence du conflit, après la guerre froide, l'équilibre de la terreur, voici venue la guerre morte, décongélation de la guerre froide, qui nous laisse aux prises avec le cadavre de la guerre et la nécessité de gérer ce cadavre en décomposition que personne aux confins du Golfe ne parvient à ressusciter. Ce que l'Amérique, Saddam Hussein et les puissances du Golfe se disputent là-bas, c'est le cadavre de la guerre. La guerre est entrée dans une crise définitive. Il est trop tard pour la Troisième Guerre mondiale, chaude. Elle a déjà eu lieu, distillée au fil des années dans la guerre froide. Il n'y en aura pas d'autre. On aurait pu penser que la défection du bloc de l'Est, par le déverrouillage de la dissuasion, ouvrirait à la guerre de nouveaux espaces de liberté. Il n'en est rien, car la dissuasion n'a pas pris fin, bien au contraire. La guerre du Golfe n'aura pas lieu, 1991. Que reste-t-il face à ce monde de la virtualité? Que reste-t-il face à cette réalité intégrale? Et là, on pourrait reprendre une image qu'il donne dans le livre d'entretien que nous avions fait ensemble, quand il dit que on pourrait retenir quatre modes d'attaque et de défense. Il dit qu'il y a le mode d'attaque traditionnel. Il rapporte cela à un bestiaire pour l'illustrer, toujours le concept allégorique. Le mode d'un espace à deux dimensions où il y a un affrontement avec un ennemi, c'est le cas de la lutte des classes. Par conséquent, cet affrontement, c'est la guerre traditionnelle avec ses armes de destruction de l'adversaire. Bon. Ça, c'est le monde d'hier. Ensuite, il dit qu'il y a le rat, non plus le loup. Le loup, c'est un peu la figure de l'affrontement classique. Le rat, c'est une autre dimension. Le rat, il est dans les caves, troisième dimension. Déjà, ça suppose ici de mettre en place d'autres modes de résistance. C'est pas simplement d'ailleurs à prendre historiquement, ça. Nous savons très bien que les tentations hygiénistes, elles ont existé dans les guerres modernes. Qu'est-ce que c'est que la purification ethnique? C'est une manière d'essayer de liquider l'ennemi de l'intérieur, qui est un peu comme le rat. Puis ensuite, il y a, dit-il, les blattes. Les blattes qui sont dans les interstices, dans un espace plus complexe. C'est aussi essayer de lutter contre un ennemi qui n'est pas visible, qui est là sans être là. Qu'ici aussi, la forme de défense doit s'adapter à cette nouvelle forme d'attaque. Et il dit que maintenant, il y a le virus. Face à cette nouvelle configuration d'un ennemi qui est à la fois partout et nulle part, alors, prenons ennemi entre guillemets, on ne peut plus se contenter ni de la lutte des classes, ni de la prophylaxie classique, ni de la volonté d'essayer de contrôler l'espace. Que reste-t-il à ce moment-là? Non pas prendre les armes, non pas faire la révolution, non pas à la manière de Foucault simplement d'organiser des collectifs pour défendre les prisonniers, ce qui est très bien, mais ça n'est pas là que ça se joue. Donc c'est cette forme, qui est la forme à la fois au plan de l'écriture, la forme au plan de la pensée, je dirais même la forme au plan existentiel, c'est la possibilité que nous avons de faire, je dirais, par le défi d'introduire des singularités, par l'écriture, par la pensée, par le défi, par l'échange, par la capacité à prendre des risques. Mais déjà, c'est un risque de penser comme il pense. Ce livre, Jean Baudrillard, La transparence du mal, essai sur les phénomènes extrêmes. Hein? Quel titre et quel sous-titre quand même. Le sous-titre a été facile à trouver, je veux dire, le titre non. C'est qu'en fait il est ambigu d'ailleurs aussi, hein, parce que la transparence du mal ne veut pas dire que le mal qu'on voit à travers, je veux dire, c'est pas le mal à travers lequel on voit. Encore que ce serait merveilleux de voir le monde à travers les figures du mal, mais c'est plutôt le mal qui transparaît. Puis transparence, c'est à la mode. Et d'ailleurs, ce titre qui n'était pas du tout axé sur ce qui se passe et qui n'avait aucun rapport au départ avec la Glasnost a quand même trouvé une incidence quand même assez étrange. Bon, dans les événements à l'Est, comme par exemple, parce que la transparence, quand on parle de glasnost, c'est la transparence du bien, ce qui
qui doit transparaître, c'est la démocratie, ce sont les droits de l'homme, etc. Et là, c'est exact contre-pied, parce que je dis ce qui transparaît, c'est le mal, ce sont les figures du mal. C'est-à-dire qu'en fait, la transparence n'est pas celle de la liberté, etc. C'est la transparence même des choses. Et la transparence même des choses, lorsqu'elles perdent leur image, leur miroir, leur ombre, etc., lorsqu'elles deviennent insaisissables à force de fluidité, de luminosité, tout ça, elles deviennent surexposées et tout. En fait, c'est ça le mal. C'est-à-dire, si le mal était ce qui est refoulé, ça serait facile. Il n'y aurait qu'à le défouler, il n'y aurait qu'à le libérer, comme on le fait partout aujourd'hui, au fond. Mais on s'apercevra que le mal est bien autre chose que ça, et qu'en particulier, il passe à travers toutes les libérations, et que lorsqu'il n'existe plus sous forme visible, la forme de l'empire, du mal, en fait, opaque, bien visible, bien repérable, où quelqu'un peut y résister ou le tenir à distance, c'est qu'il se dissémine en filigrane de toute chose, c'est qu'il est passé d'une façon interstitielle et virale dans toute chose, et que donc il transparaît, et que là, c'est la transparence même des choses qui est le mal. Ah oui, ça, toute tentative de lecture des textes de Baudrillard sur le mal, en termes moralistes ou étroitement moralistes, sont voués à l'échec, c'est-à-dire surtout à ne rien comprendre, ou alors à s'autoriser de manière un peu facile et à bon compte un jugement moral sur Baudrillard, ce qui était le cas. Baudrillard est cynique, tout ce qu'on veut, Baudrillard est nihiliste, bon, alors qu'il s'empresse de dire que le nihilisme est plutôt de l'autre côté. Le nihilisme, c'est de vouloir, d'une certaine manière, en finir avec le mal. Chez Baudrillard, il y a une critique tout à fait remarquable de l'intégrisme du bien. Et ce moralisme dont on parle est inséparable d'un intégrisme du bien, c'est-à-dire de la réalisation du bien par l'élimination du mal. Il dit que le malheur, c'est justement cette subsistance fantasmée ou presque virtuelle de ce mal extirpé, de ce mal annihilé, qui donc subsiste sous la forme de sa trace. Et en termes politiques, par exemple, il montre que lorsqu'il y a eu l'affaire Lewinsky, vous vous souvenez, l'affaire de Clinton et de sa maîtresse d'occasion et le scandale que cela avait provoqué, et ensuite de l'Amérique propre et de ce procureur qui a dit « nous allons rendre propre l'Amérique », etc. Une tentative de liquidation du mal, désigné comme tel, et donc d'une volonté de réaliser le bien. Il montre que ensuite arrive Bush et c'est la guerre contre le mal en Irak, et c'est d'une certaine façon le déploiement de cet intégrisme du bien qui prend la forme politique terrifiante d'aller chercher le mal là où il est. Et là, on s'aperçoit que la logique inquisitoriale était extrêmement modeste. Il y a aussi une autre facette de rejet des États-Unis, notamment après certaines prises de position de Baudrillard, la publication d'Esprit du terrorisme, jusqu'à ce qu'il soit hué en novembre 2001 dans un amphithéâtre de NYU. Cette réception très hostile avait commencé dès la traduction en anglais du petit essai de Baudrillard « Amérique », qui est à la fois un petit essai très stimulant. C'est-à-dire, c'est l'élan chez Baudrillard d'une intuition juste, mais un élan un peu caricatural que lui-même assume comme caricature. Il y a aussi une condescendance de l'intellectuel européen fasciné par le dépouillement du désert, mais aussi le dépouillement des âmes et des esprits américains, ce que les Américains, avec leur complexe d'infériorité bien connu, en tout cas en termes intellectuels face à l'Europe, ont très très mal pris. Nous, on a raconté qu'il y a eu des espèces d'autodafés où on a brûlé la traduction de ce livre sur certains campus. Donc, Amérique, ça commence à mal se passer. La guerre du Golfe n'a pas eu lieu aussi parce qu'il existe aux États-Unis un fort courant de gauche ou d'extrême gauche, enfin, disons d'extrême gauche intellectuelle, un bastion marxiste fort dans l'université, pour qui cette guerre était le retour de l'impérialisme américain après la guerre froide, hein, 1991, donc un vrai danger, un vrai ennemi. Et Baudrillard, avec son art de la provocation, disait qu'il n'y avait pas d'ennemi, que de toute façon il n'y avait même pas eu de guerre, que tout ça était une création médiatique, on voyait rien. Donc voilà, pour des marxistes voués à la défense des 400 000 civils irakiens bombardés par l'Amérique, c'était pas tenable, cette position de Baudrillard. Et puis ça se gâte évidemment encore plus avec les attentats du 11 septembre, puisque les premiers textes, donc il y a d'abord une série d'articles dans la presse française, puis qui sont réunis en livres, il y a l'esprit du terrorisme, Tower ou Power Inferno en anglais,
paraissent très vite, hein, dans les mois qui suivent le 11 septembre aux États-Unis, et consistent à dire que le capitalisme américain s'est suicidé, que les tours jumelles sont tombées d'elles-mêmes puisqu'elles arrivaient au bout du simulacre, justement, et de la propagande vaine du capitalisme américain. Mais l'idée d'un suicide du système, alors qu'on est, disons, dans la torpeur du deuil et en recherche désespérée d'une responsabilité et d'un ennemi pour simplement apaiser la douleur. Alors, la passion de Baudrillard pour la provocation, voire même pour l'hostilité, hein, qu'il peut susciter, l'a fait y aller quand même, en novembre 2001, où il est hué, d'où la réaction extrêmement violente de la presse américaine à l'apparition de l'esprit du terrorisme en anglais, et quand même, du coup, le déclin de son étoile américaine dans les années qui suivent, oui, quand même. Là encore, Baudrillard disait, allez, vous n'êtes pas allé assez loin. Sylvère Lautringer. Le danger ne venait pas de l'extérieur, le danger venait de l'intérieur, et en quelque sorte, il y a une collusion entre l'Empire américain et ceux qui venaient le détruire. C'était ça la thèse principale que Baudrillard avait développée depuis l'échange symbolique et la mort. Comme les gens, les philosophes des années 30 et 40, Baudrillard était quelqu'un pour qui la mort était présente théoriquement. C'est-à-dire que ce n'était pas la mort elle-même, mais c'est le fait que le défi impliquait l'extrême limite, l'extrapolation jusqu'à la fin. Une fin qui n'en était pas une d'ailleurs. Donc, ce que Baudrillard avait développé à partir de 1974 dans l'échange symbolique et la mort, c'est la possibilité de réintroduire des processus sacrificiels dans un monde qui avait écrasé tous ces éléments symboliques qui existaient auparavant sous la poussée d'un échangisme généralisé. Et le pari de Baudrillard, c'était qu'il n'était pas trop tard, mais qu'au contraire, il était en avance par rapport à l'événement et que le symbolique, sous les espèces de la mort, allait faire retour, mais d'une manière grandiose. Je crois qu'il était provocateur, c'est-à-dire qu'il appelait avant à voir des choses. Comme lorsque le doigt indique quelque chose, il ne faut pas regarder le doigt, mais il faut regarder la chose. Il était comme un joueur de football qui dribble. Ce qui étonne chez Baudrillard, malgré tout, c'est qu'à côté de cet aspect provocateur, il y avait un aspect, j'allais presque dire, d'un grand conformisme d'attitude. C'est-à-dire que Baudrillard, c'était aussi une démarche placide, une démarche dans tous les sens du terme. C'était un œil, c'était une oreille. Moi, les souvenirs les plus vivants de Baudrillard, ce sont des rencontres inopinées dans des musées ou dans des expos. Et on voyait Baudrillard avec sa veste noire qui regardait tout. Rien, il était d'une curiosité invraisemblable. Tout lui faisait sens, tout l'intéressait. Parce qu'il était quand même, je sais pas, on a l'impression qu'il était cynique, qu'il était parfois très ironique. C'est un homme d'une très très grande bonté, justement, au sens où il accueillait la réalité. Et accueillir la réalité, c'est pas facile. C'est-à-dire, faudrait le concevoir comme une façon de tisser des filets de pêcheurs pour que la réalité vienne s'y prendre, quoi. Mais naturellement, la réalité s'y prend lorsque, comme s'y prennent parfois des fers à repasser ou des vieux pneus, des petits poissons échappent. Mais c'est encore plus difficile lorsque les phénomènes ne sont plus des phénomènes en tant que tels, mais leur propre image ou leur propre simulacre. Et donc, comment faire pour que la pensée saisisse des phénomènes qui dépassent le sens? Ça, c'est l'entreprise, je crois, de Baudrillard. Donc la provocation sur l'art ou la provocation sur l'art moderne faisait partie aussi de ces manières de cueillir ce qui n'était pas attendu, au sens presque philosophique. Vous savez, les Grecs appelaient kairos l'occasion qu'il ne faut pas rater. Jean Kelevitz disait « ne ratez pas votre matinée de printemps ». Ben, je crois que Baudrillard a tenté de ne pas rater les matinées de printemps, de saisir l'occasion. Mais en sachant que tout avait changé, que l'occasion ne se présentait plus avec ses étiquettes, avec son format,
mais sous forme d'esquisse, de projet, de virus, justement, et qu'il fallait le saisir, courir après le sens qui court plus vite que la raison. On ne sait pas ce qui domine entre la mélancolie, qui est quelque chose de très profond chez lui, y compris dans cette façon de toujours digresser, de toujours aller ailleurs, de toujours aller là où on ne l'attend pas, ce choix de la solitude et de l'impasse, en quelque sorte, ou du paradoxe intenable, et un côté ludique, assumé, qui lui serait plus joyeux, serait une humeur moins triste, une humeur joyeuse, comme dirait Spinoza, et qui en ferait un pataphysicien. Moi, je pense assez fondamentalement que Baudrillard est pataphysicien, c'est pas un hasard s'il a passé son enfance à Reims, ville qui a abrité les premiers pataphysiciens. Il y a peut-être même d'ailleurs des accointances directes. C'est ça, les deux facettes de Baudrillard, c'est une mélancolie et un refus de la cohérence par mélancolie et un jeu permanent avec les concepts dominants et les normes du bien-pensé, hein, consistant à rentrer là-dedans comme un chien dans un jeu de quilles. Une des situations primitives de la vie, celle du jeu de cache-cache. Quel frisson d'être caché tandis que les autres vous cherchent. Quelle frayeur délicieuse d'être découvert. Mais quelle panique lorsque les autres, après avoir longtemps cherché, vous abandonnent. Il ne faut pas trop bien se cacher. Il ne faut pas savoir trop bien jouer. Le joueur ne doit jamais être plus grand que le jeu lui-même. Brouiller les pistes, effacer ses traces. D'abord, effacer ses traces, ça veut dire ne pas avoir d'héritier, entre guillemets, hein. Effacer ses traces, c'est rappeler qu'on ne va pas quelque part, que c'est trop simple de dire qu'on va quelque part. On pourrait mettre ça en résonance avec ce poème de Machado qu'aime beaucoup Edgar Morin, hein, c'est en cheminant qu'advient le chemin. Bon, il faudrait ajouter, ce qui va donner un peu plus de mystère à Baudrillard, c'est en cheminant qu'on efface aussi le chemin qu'on vient de parcourir. J'ai fait 3 expositions en Chine, une à Canton, une à Pékin, une à Macao, une à Taïwan. C'est assez émouvant de voir les petits Chinois venir vous presser de questions avec une grande curiosité sur la pensée de Jean. Et ça, c'est magnifique, la pensée, quand même, comment elle circule. C'était Jean Baudrillard, Ni morale ni critique, une pensée radicale, de Delphine Jaffé et Olivier Jacquemont, avec Jean Baudrillard, Marine Baudrillard, Jacques Donzelot, François Livonnet, Robert Maggiori, François Cusset, Sylvère Lautringer. Remerciements à François et Domiti Séguré. Archive INA, du jour au lendemain, peinture fraîche, là-bas si j'y suis, Le bon plaisir. Prise de son Laurent César, Benjamin Chauvin, Yves Lehors. Mixage Bernard Laniel. Réalisation Ghislaine David. Je vous emmènerai tout à l'heure sur le miroir de la chambre, quelques semaines avant de partir. Il s'est levé avec un gros feutre, il a écrit « L'existence n'est pas tout, c'est même la moindre des choses. » Voilà. C'était Une vie, une œuvre, une émission coordonnée par Martin Kenen avec la complicité de Claire Poinsignon et consacrée aujourd'hui à Jean Baudrillard. Commentaires, réécoutes, podcasts et compléments sur la page de notre émission sur franceculture.fr. La semaine prochaine, Une vie, une œuvre vous invite à prendre en filature l'écrivain et espion britannique Patrick Leigh-Fermor.